Soyez tous les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs en Christ, les amis qui nous accompagnent pour une transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie, édification. Nous sommes arrivés au message de numéro 14 qui s'appelle « Naître de l'Esprit et naître dans nous ». La lecture biblique, c'est Jean chapitre 3, versets des 1 jusqu'à 8. En fait, frères, nous vivons dans un moment unique. Le Seigneur, nous arrivons à la fin de la conférence, mais nous volons de plus en plus, plus haut. Que toutes nos réunions, ce sont les grandes réunions ou les petites, nous sommes en fait n'importe où. C'est pourquoi le Seigneur veut introduire l'homme dans sa fête. Le Père et le Fils, ils vivaient en constante fête. Ils vivaient heureux. L'un, c'était le plaisir de l'autre. Et maintenant, ils nous ont envoyés pour participer de cette fête. Malheureusement, les religieux n'ont pas compris, mais lui soit le Seigneur. Aujourd'hui, dans les derniers temps, l'Église est introduite dans cette merveilleuse fête. À la fin du chapitre 2, versets 23 à 25, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. J'ai déjà partagé avec à propos de cela dans le dernier message qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont cru à cause de signes, des miracles. C'est bon ne pas croire seulement parce que tu vois, mais c'est mieux recevoir la parole avec ton cœur adéquat. Et comme ça, la parole va entrer en toi et elle va fructifier. C'est pourquoi la foi vient pour entendre. Romains 14, 17. C'est pour cela qu'on nous identifions que cette parole, c'est de Christ. Ne doutez pas, sois simple et reçois la parole comme la parole de Dieu, comme elle est la parole elle-même. Elle va opérer efficacement dans son Église. Et notre nature humaine, elle ne s'est pas confiable. Même si nous avons beaucoup d'années, nous sommes chrétiens, il y a beaucoup de temps, nous avons des expériences de connaissances bibliques, même comme ça, l'homme n'est pas confiable à cause de sa propre nature chutée. Mais lui soit le Seigneur, nous avons une solution. Nous pouvons nous remplir de la parole de Christ. En nous-mêmes, nous ne sommes pas confiables, mais si nous permettons que Christ nous remplit de la réalité divine, nous serons confiables. Donc, que le Seigneur puisse continuer. Nous faisons entrer à travers l'immersion de la parole, en inculquant la parole de Dieu, pour que le Seigneur puisse nous remplir de la réalité de Christ, et comme ça, Christ va gouverner notre vie. Nous allons entrer dans le chapitre 3 de Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé
Nicodème, en chef des Juifs. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Au premier, c'est important de connaître qui est Nicodème. Nicodème, c'est un pharisien, c'était un membre de Sanhédrin, de la leadership religieuse et politique du peuple juif. C'était un homme très religieux, de moralité élevée, une personne culte. Il avait une bonne réputation parmi les leadership juifs. Nous allons lire un peu, même si c'est quelque chose qui est arrivé après ce rencontre, mais il faut connaître qui est Nicodème. Nous allons pour Jean 7. Dans le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Quand il a fini de terminer de parler, dans le verset 40, à partir de là, nous commençons à percevoir qui est Nicodème. Les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » Le peuple, voyant ce que Jésus faisait, que sa parole sortait avec pouvoir, quelques-uns parmi la foule disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » Le prophète promis par Dieu au temps de Moïse. Et il y avait des autres qui disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» En d'autres mots, la Galilée peut venir Christ de la Galilée. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y a eu donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Avant cela, dans le verset 32, les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Les pharisiens, avec les principaux sacrificateurs, ils se sont rassemblés et ils ont envoyé des huissiers pour le saisir. Dans le verset 45, ainsi les huissiers retenèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Sa parole sortait de sa bouche avec pouvoir. Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais comme s'il parlait
aucune personne de leadership avait cru en Jésus. Mais Nicodème était un pharisien, était un leader des pharisiens. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen ? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Ici, mes frères, nous voyons un contexte pour connaître un peu plus de Nicodème. Même si Nicodème, il a été un pharisien qui faisait partie de leadership, de science, il était différent des autres. Il était juste, était honnête. Et nous regarderons Jean 19, cela après la mort de Christ. Jean 19, verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'en s'éveiller chez les Juifs. 100 livres de myrrhe, d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Ce sont 34 kilos. C'est quelque chose de beaucoup de valeur. Cela coûtait beaucoup. Cela démontre combien Nicodème aimait le Seigneur. Probablement, cela est arrivé comme les principaux sacrificateurs ont condamné Jésus avec culpe. Nicodème, peut-être, il a offert ce mélange de 100 livres. Nous allons maintenant pour Jean chapitre 3, le premier rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Il est allé vers le Seigneur de nuit. Il ne pouvait pas aller en public parce que ses compagnons ne comprendront pas. Il serait critiqué par ses compagnons et pour ceux de Sanhédrin. Peut-être pour son statut, il savait que ses compagnons ne s'accordaient pas, ils ne voulaient pas rendre publique sa visite. Dans le verset 3, Jean 3, verset 2. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Frère, Nicodème avait atteint un niveau de padron humain très élevé. Il était quelqu'un respecté. Il était quelqu'un âgé parce que quand il a dit
dans le verset 4. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Très probablement, il était un homme vieux. Et vous, combien d'années vous pensez que Jésus avait à cette époque-là? Vers 30 ans de... Et Nicodème était déjà vieux. Je ne sais pas comment les hommes considéraient qu'un autre homme, c'était vieux. Maintenant, à partir de 70 ans, quelqu'un est considéré vieux. Je me considère en jeune. Il y a eu, auparavant, je restais dans la file de personnes âgées pour monter dans l'avion et les fonctionnaires me disaient, cette file, c'est juste pour les âgés. Et elle me retirait de la file. Mais Nicodème, peut-être il avait 70 ans et il s'humiliait et parlait avec Jésus qui avait 30 ans. C'est pourquoi il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose que Jésus avait, qu'il ne pouvait pas atteindre. Donc, il voulait savoir de Jésus qu'est-ce que Jésus a pour qu'il aille et pour qu'il puisse apprendre et être comme Jésus, et devenir comme Jésus. Il appelle Jésus de maître, Rabbi. Le verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une réponse très étrange pour Nicodème. Nicodème était un exemple d'un homme, d'un padron élevé, moral, culte, dans le sommet de la société. Peut-être il cherchait à prendre avec Jésus quelques enseignements qui lui manquaient, qu'il pouvait faire les signes que Jésus faisait peut-être. Il voulait apprendre. Il voulait faire ce que Jésus faisait. Donc Jésus lui répondit, en vérité, tout homme, même s'il est culte, un culte moral ou immoral, il avait besoin d'une nouvelle naissance pour avoir la vie de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, Jean, il a cette caractéristique. Il n'a pas préoccupé pour nous amener, il n'est pas préoccupé pour nous amener dans un patron haut, par moyen des enseignements, de règles de conduite humaine. L'homme, il a besoin d'une autre vie. L'homme a besoin de la vie de Dieu. Ce n'est pas pour que tu es un homme honnête, un homme culte, que tu es dans le sommet de la société, que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer, pour voir le royaume de Dieu, il faudrait naître de nouveau. Ce naître de nouveau, c'est naître d'un eau. Donc, dans la pensée humaine, le changement dans quelqu'un se fait par l'éducation. La solution de la société, c'est le donnant la
et l'éducation et par moyen de bons enseignements. Donc, ce n'est pas comme ça dans la pensée de Dieu. Même parmi les chrétiens, ces pensées, il y a ces pensées qui ne sont pas, c'est pas correct que les enseignements, après les enseignements, après nous comprenons que nous n'arrivons pas, nous ne parvenons pas à changer une personne. Des bons enseignements, ils peuvent peut-être améliorer une personne, mais ils ne sont capables d'introduire cette personne dans les sphères du royaume de Dieu. Par exemple, pour faire partie du royaume végétal, il faut avoir la vie végétale. Je veux voir le royaume végétal. Donc, il faut que vous ayez la vie végétale pour faire partie du royaume animal. Il faut avoir une vie animale. Et pour faire partie du royaume de Dieu, il faut avoir la vie de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de comportement seulement. C'est une question de vie. Pour voir le royaume de Dieu, il faut avoir la vie de Dieu. Donc, ce n'est pas le cas d'enseigner Nicodème à des bons coutumes, des bonnes habitudes, mais avant de naître d'un eau et naître de Dieu. Naître d'un eau, c'est anoten en grec. C'est littéralement naître d'un eau, naître des cieux, naître de Dieu qui est d'un eau. Cela est en Jacques 1, 17. Là-bas, il y a le Père de la lumière. Toute grâce excellente, tout don parfait est dans nous, est avec le Père des Lumières. C'est pour cela, si nous voulons le meilleur, si nous voulons faire les choses que l'homme qui a un padron très élevé, donc il faut naître de nous. Où ils sont les meilleures choses et les dons parfaits. Jean, il avait déjà nous donné le chemin de comment naître de nouveau. Jean, chapitre 1, verset 2. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Voyez comment cela représente la grâce pour devenir fils de Dieu, pour naître d'un eau, pour naître d'une place de là-haut où tout est parfait. L'homme, il n'a pas besoin de payer de pénitence, de faire des grandes œuvres, des grands efforts pour devenir quelqu'un dans le royaume des cieux. C'est si simple. C'est seulement recevoir à Jésus. Qu'est-ce qui signifie recevoir Jésus? Jean 1, 1, 2, 12. C'est quoi recevoir Jésus? C'est croire en Jésus. Croire au nom de Jésus, c'est très simple. Romains 10, regardez, c'est très simple.
Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est quoi? C'est la parole de la foi. C'est la parole qui va te faire naître dans nous. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est si simple, c'est très rapide, facile. Il ne faut pas monter 100 degrés d'une échelle sur le maïs. Il ne faut pas payer des ordonnances, de faire des tortures avec son corps, priver son corps d'aliments ou de vêtements. Il faut croire en Jésus, confesser avec ta bouche que Jésus est le Seigneur et croire avec ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est très simple, c'est très simple. Il ne faut pas utiliser votre œuvre propre pour parvenir au salut. Il faut croire dans ton cœur et confesser avec ta bouche. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix? Maintenant, il y a beaucoup de comporteurs, de ceux qui prêchent l'Évangile. Nous avons beaucoup de jeunes, adolescents et enfants. Ils forment encore cette armée envoyée par les rues pour prêcher pour les personnes et laisser avec elles un livre qui contient l'Évangile du royaume. Et le premier secours, c'est aider les personnes à croire et invoquer le nom du Seigneur. Lui soit le Seigneur, l'Église qui était fermée en quatre murs et maintenant elle est dans la rue. Seigneur Jésus, nous allons continuer. Jean chapitre 3. Oh Seigneur Jésus. Verset 4. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Frère, Nicodème, il savait que c'est impossible de naître de nouveau parce qu'il y avait déjà, il y a même aujourd'hui, ceux qui croient qu'il y a dans le hindouisme et dans le
païanisme qui croit dans la réincarnation. Et Nicodème, il ne pouvait pas accepter cela. Mais Jésus ne parlait à propos de cela, de naître de nouveau en allant au ventre maternel. Mais Jésus ne parlait à propos de cela. Dans le verset 5, nous voyons, Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Cela veut dire que même si c'est possible, c'est clair que ce n'est pas possible, mais si c'était possible, un homme naître de nouveau, pour faire un nouveau essai pour vivre mieux, même si c'est impossible, mais ce qui est né de la chair, il continue à être la chair. Le problème de l'homme, c'est la chair. Même si tu nais 1000 fois, tu vas continuer la chair, une chair. La seule solution, c'est nous qui nous sommes nés de la chair, nous pouvons renaître et naître d'un eau et d'esprit. Parce que ceux qui sont nés de l'esprit, ils sont esprit. Oh Seigneur Jésus, l'esprit, le premier mot, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit divin, c'est naître de Dieu. Ce qui est né d'esprit. Le deuxième esprit, c'est notre esprit régénéré. Il ne faut pas naître de la chair de nouveau. Il ne va changer beaucoup de choses. Il faut naître d'un eau, de Dieu, de l'esprit. Oh Seigneur Jésus, et ici nous voyons si un homme ne naît d'eau et d'esprit. C'est une interprétation à propos de ce contexte. L'interprétation de naître d'eau et d'esprit, c'est selon ce que Jean-Baptiste a dit, parce que Jean prêchait la repentance, il baptisait le peuple avec eau pour que l'homme chuté de la ancienne création, il eût terminé. Le baptême de Jean-Baptiste à travers les eaux, c'est pour finir l'homme chuté. Et le baptême de Jésus, il a été présenté comme ceux qui baptiseraient le peuple avec l'Esprit Saint. Le baptême avec le Saint-Esprit, c'est pour donner une nouvelle vie, une nouvelle création. C'est la c'est la compréhension ordinaire. Que les eaux de baptême, c'est pour terminer le vieil homme, et l'Esprit Saint, le baptême de Jésus, avec l'Esprit Saint, pour engendrer la nouvelle vie, de la vie de Dieu. C'est une explication plus ordinaire. Mais nous voulons mettre quelque chose pour que vous pouvez réaliser, si vous comprendrez, si vous voyez tout l'évangile de Jean, vous comprendrez que l'eau dans l'évangile de Jean, surtout dans l'évangile de Jean, a un sens plus grand qui va au-delà de l'eau de baptême. Jean 7, 37-39 dit comment? Prêtez attention à propos de la parole du mot « eau ».
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Cette eau, ce n'est pas l'eau de baptême, ce n'est pas rapport l'eau de l'Esprit. Le verset suivant. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il y a de l'eau. Jean 4, 14, ce que Jésus a dit pour la femme samaritaine, verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Donc, cette eau ne se réfère pas à le baptême de Jean-Baptiste, mais plutôt à l'esprit que jaillit pour la vie éternelle. Maintenant, nous allons pour Jean, chapitre 19, dans la crucifixion de Jésus. J'ai déjà dit que Jean était le seul disciple qui a été enregistré qu'il était devant la croix. Parce que, pourquoi je peux affirmer cela, qu'il était devant, au pied de la croix? Pourquoi? Nous voyons dans le chapitre 19, verset 25, que dit comme ça, près de la croix, de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère, Jésus était où? Jésus était assis dans le canapé. Il était où? Il était dans la croix. Et ses mains, elle était où? Elle était saisie, percé dans la croix, dans le bois, n'est-ce pas? Jésus, il ne pourrait pas parler en utilisant ses mains. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, c'est qui? Le disciple aimé, c'est Jean. Jésus a dit, « Femme, voilà ton fils. » Il n'a pas pu utiliser ses mains. Il a fait comme ça, « Femme, voilà ton fils. » Il a dit comment? Il a dit, certainement, avec des gestes, « Femme, voilà ton fils, n'est-ce pas? » Il était dans la croix. Ce n'est pas possible de parler avec quelqu'un qui est éloigné de la croix. C'est pourquoi il dit que ces femmes étaient au pied, près de la croix. Verset 27. Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Il a dit aussi avec des gestes. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Cela, c'est une preuve que Jean était auprès de la croix. C'est pour cela, frère, que nous devons suivre Jésus près de lui, si près de lui. Ne restez pas loin de la parole prophétique, ne soyez pas loin de la live de jeudi, de la parole de dimanche. Et Jean qui était prêt, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose que la plupart des personnes ne voient pas, le verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang. Deux choses, du sang et de l'eau.
Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et vous savez que pourquoi sert le sang? Pourquoi du côté du Jésus est sorti du sang? C'est pour notre rédemption. C'est pour le pardon de nos péchés. Et sang, c'est de couleur rouge. Même ceux qui sont loin, très loin, très loin, ils regardent. La plupart des chrétiens, ils valorisent le sang parce qu'ils ont vu le sang. Et le sang, c'est pour pardonner les péchés. Mais peu de chrétiens ont vu de l'eau parce que l'eau, c'est transparent, c'est un liquide transparent. Et seulement ceux qui sont près, si près, peuvent voir l'eau. Et l'eau, c'est quoi ici? L'eau ici, c'est pour nous donner la vie. De son côté, il sortit du sang et de l'eau. Dieu veut nous donner sa vie divine pour tous ceux qui croient en lui, pour que de son intérieur puisse jaillir de fleuves d'eau. Cette même eau, elle jaillit de son intérieur quand tu crois. Cette eau, c'est la vie. Vous avez compris? On sent comme ça, cette eau, c'est pas l'eau des baptêmes. Jean, quand Jean a vu cela, verset 35, celui qui l'a vu, on a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Pourquoi Jean? Il faudrait qu'il parle comme ça, avec cette force. Celui qui l'a vu, on a rendu témoignage. Son témoignage est vrai. Qu'est-ce qu'il a vu? Il vit le sang, il a vu l'eau. Peu de personnes ont vu l'eau. Mais ce qui a vu cela, il a témoigné. Il insiste. Et il sait qu'il dit vrai. J'ai vu l'eau. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Oh Seigneur Jésus, donc frère, cette eau, elle est par rapport à la vie éternelle, et elle est par rapport à la vie éternelle et à l'esprit. C'est pour cela qu'il a affirmé, qu'il a dit et qu'il dit, qu'il a vu et qu'il dit vrai. Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, frère, Jean a écrit cela, pas seulement Jésus pour Nicodème, mais il veut parler pour nous. Et si nous voyons, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce n'est pas une question de bonne conduite. Ce n'est pas le cas d'être un bon chrétien, mais naître de nouveau, naître de Dieu, naître de là-haut. Ce qui naître de là-haut, il y a la vie de Dieu. Il a une vie que amène l'homme à vivre une vie selon la volonté de Dieu. C'est juste comme ça qu'un homme peut vivre la vie de Dieu. C'est pas pour un comportement, pour une conduite, pour l'éducation, mais plutôt pour la nouvelle naissance. Ce n'est pas seulement pour la nouvelle naissance, mais il faut avoir la vie d'un autre. Mais à partir de ce moment que vous êtes né de nouveau, il faut vivre par moyen de cette vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas seulement naître de nouveau. Ce n'est pas seulement naître d'un autre. Il faut, à partir de là, vivre à travers cette vie qui est dans nous.
C'est pour cela que le verset suivant, le verset 8, dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Frère, à partir de là, quand tu as reçu cette nouvelle vie, ne vis pas à partir de la vie de la chair, vive-toi à partir de la vie de l'Esprit. Quand j'étais jeune, j'ai entendu un message très intéressant, un message que disait comme ça. Maintenant que nous sommes nés de là-haut, nous avons... L'homme est devenu compliqué de certaines formes parce que l'homme qui n'est pas né de nouveau, il a une seule vie. Il va vivre par sa chair. Mais maintenant, nous, qui nous sommes nés de là-haut, nous sommes nés de nouveau, mais au-delà de la vie que nous avons gagnée de nos pères, nous avons gagné une vie des cieux de là-haut. La vie de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris que nous sommes compliqués parce que nous sommes des personnes qui ont deux vies. Il y a une possibilité. Vous avez l'opportunité de vivre par une vie ou pour l'autre. Comment vous gérez cette situation? Pour quelle vie vous vivez? Malheureusement, dans notre infantilité, nous vivions par la vue que nous avons reçue de la chair, n'est-ce pas? Et j'ai entendu ce message. Le frère disait, nous avons deux vies dans nous, mais nous avons encore un seul corps. Deux vies qui se disputent en seule vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ces deux vies luttent. Pourquoi? Pour que mon corps vive selon la vie A ou la vie B. Ce sont deux vies opposées qui luttent, qui disputent en tout le temps dans mon corps. Une vue, il veut que je continue dans l'homme chuté, mais la vie de Dieu veut que je vive, selon la vie de Dieu. Et Paul a dit que maintenant c'est compliqué parce que j'ai deux vies que disputent un seul corps. C'est pourquoi que Paul, en Romains 7, il a dit Romains 7. J'ai découvert que le mal habite en moi. Est-ce que tu as ce conflit? Romains 7. Regardons. C'est compliqué, n'est-ce pas? Notre vie est devenue compliquée, n'est-ce pas? Verset 15, chapitre 7 de Romains. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je veux le bien, mais je n'arrive pas à le faire parce que
Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui fais le foi, qui le fait. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mon membre. Il écrit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Mais le verset 25 me donne libération. Grâce à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 8 du Romain, verset 8, 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par la vieille vie, je suis en esclave du péché et de la mort. Et cette vie ancienne de la chair, elle a une loi. C'est quoi une loi? C'est comme si je jette en papier, il y a la loi de la gravité que fait ce papier tomber. Même si tu dis papier, rester là-haut, cela ne fonctionne pas. Si vous avez la loi de l'homme ancien, vous êtes en esclavage par le péché, par la mort, et le péché et la mort, ce sont des lois. Ce sont de la loi comme la loi de la gravité. Si tu vis par cette vie, tu vas pécher certainement. Tu es assujetti à la mort. N'est-ce pas? Mais grâce à Dieu, quand tu es né de là-haut, tu as gagné une autre vie. Et cette autre vie, elle a une loi aussi. Cette vie, elle a une loi qui te fait vaincre la loi du péché de la mort. J'ai fait cette illustration plusieurs fois. Ce n'est pas une bonne illustration, mais c'est pour que vous compreniez. C'est comme si le Seigneur, tu mets dans un... Même si tu es, par exemple, en une fusée, tu vas vaincre la loi de la gravité par la force des moteurs et elle monte. Il te fait se délivrer de la loi du péché et de la mort. Et maintenant, vous pouvez attendre l'appel. Montez pour ici. Nous pouvons monter pour là-haut, parce que nous avons la loi de l'esprit et de la vie qui nous a délivrés de la loi, qui nous a délivrés de la loi de la mort, du péché de la mort. Romains 8, 14 nous dit comme ça, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. À partir de maintenant, vivons par cette nouvelle vie. » Et cette nouvelle vie, elle est dans l'esprit qui donne la vie. Soyons guidés par l'esprit de Dieu. Car si tu retournes à être guidé pour votre vie naturelle, tu seras en esclavage par le péché et par la mort. Mais si maintenant vous êtes en fils de Dieu, vous êtes comme ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Nous retenons pour Jean 3. C'est pour cela que le verset 8 dit, « Le vent souffle où il veut,
frère, ce vent, c'est pneuma en grec. C'est le même mot pour l'esprit. Le vent ici, c'est l'esprit. L'esprit lui-même, il a un chemin propre. Il souffle là où il veut. Il ne dépend pas de votre concept. Dieu, il a son propre chemin. Le vent souffle où il veut. Ce mot, frère, souffle où il veut. En grec, c'est telo. Cela, ça veut dire que le vent, il a une volonté. Il a une résolution, une détermination. Aujourd'hui, dans l'autre message, j'ai dit que le zèle de ta maison me consomme. Jésus a dit, je dis que nous tous, nous avons besoin de ce zèle. Ce zèle, c'est quoi, frère? C'est la détermination. J'ai la même détermination de Jésus d'édifier la maison de Dieu. Le zèle par la maison de Dieu me consomme aussi. Je ne peux pas vivre sans cette détermination Je ne peux pas être quelqu'un qui ne s'est pas résolu ou tu es comme un boiteux. Tu hésites entre votre vie et l'intérêt de Dieu. Que nous soyons résolus. Le vent souffle où il veut. Où il veut, c'est ce qui le vent a résolu. Il a une détermination, il a un désir, il a une volonté, il a un plaisir. Il aime faire de la façon qu'il veut. Suivons-le. Laisse ta volonté. La volonté du vent a la priorité. Suivez la détermination du vent. La détermination du vent, qu'elle soit la mienne. L'esprit, frère, il ne suit pas la logique humaine. Il suit son propre chemin selon sa pensée. Selon sa pensée. Vous savez qu'en Proverbe 30, je ne veux lire tout le verset qui parle à propos de notre chose, mais dans le verset 30, verset 18, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. Je parle seulement de le numéro un, la trace de l'aigle dans les cieux. La trace de l'aigle dans les cieux. Frère, c'est merveilleux, c'est si merveilleux pour nous. Nous ne savons pas le chemin de l'aigle dans les cieux. Le vent, il souffle où il veut. Nous ne savons pas d'où il vient et où par où il va. C'est comme ça, tout ce qui est né de l'esprit. Suivons le vent. Ésaïe 55 dit comment? L'esprit ne suit pas votre logique de la pensée humaine. Il veut faire, il va faire ce qu'il veut, ce qui le plaît, pour plaisir, donner de plaisir au Père. 55, Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pour cela, frère, ne limitons pas Dieu avec nos pensées.
Ne limitons pas le Seigneur avec notre chemin. Donner liberté au Seigneur, dans l'esprit. Au contraire, je suis l'esprit. Les quatre êtres vivants, ils suivent l'esprit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. C'est la volonté du vent. Le vent a une détermination, une volonté propre et accomplit mes desseins. Dieu a en une pensée, le but, que nous puissions faire la volonté du Seigneur. Ne limitons pas l'esprit à partir de notre logique, notre pensée. Enseignez Jésus. Qui est né de là-haut ne doit pas vivre selon la logique de la terre. Nous devons vivre comme les quatre êtres vivants qui sortaient du moyen du nuage, enveloppés en feu. Ils allaient là où l'esprit voulait aller. Je sais que vous savez déjà, mais il faut parler en Ézéchiel 1. Oh, Seigneur Jésus, Ézéchiel 1. Ces quatre êtres vivants, ils ne marchent pas par sa propre logique. Ils suivent l'esprit. Verset 20. Ils allaient où l'esprit, vous avez perçu, où l'esprit les poussait aller. Ils allaient où l'esprit les poussait aller. C'est la résolution de l'esprit. Nous suivons la volonté du Seigneur. Par où l'esprit voulait y aller, les quatre êtres vivants, ils allaient. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Seigneur Jésus. Verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis un cœur comme de l'airain poli, comme du feu, et dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis de la forme des serins jusqu'en haut. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce qui est assis sur le trône, il fait partie aussi des quatre êtres vivants. De lui sortaient du feu, des éclairs. Il est quelqu'un qui est assis dans le trône. Il est avec nous aussi. Frère, c'est pour cela que Jean nous a amené pour voir une porte ouverte dans les cieux, dans l'Apocalypse chapitre 4. Il dit comme ça, montez pour ici. Et Jean, il est monté, il nous a amené avec lui. En Ézéchiel, nous voyons un trône, quelqu'un assis, et devant le trône, il y a cette torche de feu qu'il y a, aussi les sept esprits de Dieu, qu'il y a des tonneurs, des éclairs, des voix. Ce trône est en pleine activité et ces quatre êtres vivants aussi. Et ces quatre torches de feu, sept torches de feu, ils veulent mettre feu dans la terre. C'est pourquoi que la volonté de Dieu a besoin d'être faite. Le zèle de la maison me consomme.
cette responsabilité consomme le cœur du Jésus, de Jésus. C'est pour cela que Jésus, en Matthieu 16, 18, Matthieu 7, 16, 18, Jésus a dit pour Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Frère, cela, c'est l'autorité que Dieu a donnée pour nous. Les quatre êtres vivants, maintenant, ils sont liés à la tête, et la tête qui est Christ, elle a une responsabilité du Père d'édifier l'Église. Et elle est déterminée pour faire cela. Elle a ses ailes. Est-ce que vous avez ses ailes? Nous avons besoin d'avoir ses ailes. Il ne faut pas être des personnes relâchées. Il faut avoir force, détermination. Ayons la même détermination de Jésus. Pendant que la maison de Dieu n'est pas édifiée, comme David a dit, je ne repose pas mes yeux. Moi, je suis comme ça aussi. Pendant que la maison de la volonté de Dieu ne termine pas sur la terre, je ne me repose pas. Je sois un avec la tête. J'ai cette détermination. Il a cette détermination et moi aussi. Si l'Église a cette détermination, Christ, c'est un avec l'Église. Matthieu 28. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus a dit pour l'Église, j'ai déjà toute l'autorité. Toute autorité. Maintenant, je la donne à toi. Et vous avez et vous devrez coopérer avec moi, édifier mon Église. Et je donne ainsi mon autorité à vous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la parole prophétique, c'est toujours une ordre. Et voici, je suis avec vous tous les jours, frères. Il n'a été pas seulement reçu à la main droite de Dieu dans les cieux. Il parle comme ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'un côté, je suis dans le côté du Père, mais maintenant, par contre, je ne me repose pas pendant que je ne réalise pas cette responsabilité d'édifier l'Église. Et qui va faire ce travail? Ce sont les quatre êtres vivants. Ils sont l'Église avec la tête, en actuant, en faisant dans le ciel. Quand l'Église sort dans la rue, en faisant la volonté de Dieu, la tête descend pour coopérer avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Cela s'est confirmé en Marc, dans le dernier chapitre. Marc, le dernier chapitre, verset 15. Allez pour tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 20. Ils se sont allés prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux. Cette réalité de quatre êtres vivants, Christ est dans les cieux, mais regardez
dans l'Église, quand l'Église fait selon son commandement. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout, puis je prie pour vous. Ils ont prêché partout, en zigzagant. Qui coopère avec lui, avec eux? Le Seigneur qui était assis dans les cieux, il descend pour coopérer avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Mais il travaille comment? Il confirmait la parole. Notre Seigneur coopère, travaille avec nous. Quand nous sortons pour prêcher l'Évangile, prenons soin des personnes, édifions l'Église. Le Seigneur travaille avec nous, confirmant chaque parole prophétique qu'il nous donne par moyen des miracles qu'il accompagne. Nous, nous sommes heureux. Nous prouvons que le miracle nous accompagne. Il nous accompagne avec la confirmation de la parole prophétique et l'œuvre de Dieu, elle avance. Elle prospère. Nous allons par l'Afrique. Les continents africains. Il va brûler. Ce mercredi, vont quatre travailleurs vont pour Cameroun. Jeudi, quatre pour Afrique du Sud. Frère, le Seigneur ne s'arrêtera point. Si l'Église coopère avec lui, il ne s'arrêtera point. Il va coopérer avec nous. Il va confirmer sa parole prophétique. Il va continuer nous suivant avec des miracles. Dieu vous bénisse ces travailleurs qui vont à l'Afrique. Et aussi que le Seigneur continue bénissant les églises du Brésil, d'Amérique du Sud, de l'Europe, des États-Unis, Amérique du Nord, Mexique, Amérique centrale, Caraïbes et aussi Asie, Océanie. Que le Seigneur bénisse pour tous, suivons. Coopérons avec le Seigneur, mais suivons l'Esprit. Nous ne suivons plus la chair, nous suivons l'Esprit avec la détermination de Christ. Ne soyez pas quelqu'un qui n'a pas une épine dorsale. Qu'est-ce qu'il faut que nous ayons? Force, détermination. Résolu. Qui a résolu? Déterminé pour faire la volonté de Dieu. Jésus est le Seigneur. Amen.